皆さんこんにちは。エルデコブランドディレクターの木田龍子と申します。インテリアの雑誌エルデコは毎年秋にエルデコデザインウォークという、デザインやインテリアのショップを紹介するイベントを行っています。詳しくはこの動画が配信されている YouTube の説明文に URL がありますので、そちらからご覧ください。本日10月21日からエルデコデザインウォークがスタートしました。その初日にお届けするのは、すでにこちらにお見えになっているデザイナーの因果せんぺさんとのトークです。こんにちは。こんにちは。さて、因果さん、お久しぶりですけれども、これはどこですか？パリの、アトリエですか？それともご自宅ですか？Ça va bien, merci. Alors, je suis dans mon atelier à Paris, qui est au rez-de-chaussée, et j'habite juste au-dessus. あ、そうなんですか。ロランさんのアトリエとはまた違う場所なんですね。Ah non! Je suis une femme française très indépendante. 今度パリに行ったら、ぜひ、インガさんのアトリエにお尋ねしたいと思います。で、エルデコの読者やこの動画をご覧になっている皆さんは、因果せんぺさんは誰かっていうことはよくご存知だと思います。エディーダ・エルデコ・インターナショナルデザインアワード2011年にデザイナー・オブ・ザ・イヤーを、受賞なさって、フランスを代表するデザイナーで、いらっしゃるわけですが、因果さん、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？ Bien sûr. Donc, je m'appelle Inga Sempé. Je suis française. Je suis née à Paris. Je travaille à Paris. Et j'ai la chance de travailler avec des entreprises françaises, italiennes, danoises, suédoises, norvégiennes et maintenant finlandaises avec Itala. いつも作品を拝見していて、ソファーにしても照明にしてもとっても楽しくって、ユーモアがあって、なんか日常にこう新しい風を運んできてくれるなと思って、いつも拝見しています。Merci beaucoup. そして伊賀さん、今日は、この「行ったら」から発表されたばかりの、フィリグラーニという新作について、お話をお伺いしたいと思っています。今多分一番因果せんぺさんにとってフレッシュなテーマなんじゃないかなと思うんですけれども、行ったらというとテーブルウェアの印象がすごくあるんですけれども、このシリーズは、クッション、これも皆さんにも見ていただけるかしら。そしてさっき皆さんにお見せしたこの作品、なんかホームコレクションでこんな大きなコレクションとして出てくるっていうのが、なんかすごく意外だったんですけれども、こういう素敵な展開になったいきさつを教えていただけますか？Déjà, j'étais très très heureuse que Itala me demande de travailler pour eux. C'était une surprise. Et puis, ce que je voulais, c'était faire des objets pour la vie quotidienne. Même s'il y a des objets qui sont faits avec des techniques exceptionnelles, comme les coupes en verre qui sont soufflées bouche, je voulais que ça soit fait pour un usage quotidien. 実際、私もこれ、表参道のお店でこれ拝見したんですけれども、もう本当にこのプレートとボールは美しくって、行ったらのこう全く新しい表現が出てきたなっていう感じがしたんですよね。何かちょっとこう今までとは違う、こうアートピースというなんか特別な表現を獲得していますよね。 Merci, je suis flattée. とってもなんか美しくって、かなり難しい、こう作るのが難しかったんじゃないかなと思うんですけれども、このガラスのデザインでこう苦労したところってありますか？最もこうチャレンジだったところっていうのはどういったところでしょう？ Alors, dans la collection, il y a deux types d'objets en verre. Il y a des cadres photos qui, eux, sont faits de manière industrielle. Et il y a les coupes et les bols qui, eux, sont faits de manière artisanale.
Ça, c'est très différent comme type de difficulté. 例えばどういうふうな、特にこのフィリグラーニというこの特別な技法、あのそもそもはイタリアの村のところから出てきたというこの技法、もちろんあのイッタラでもいろいろな形であのバードに使ってらっしゃったりして、まあよく馴染みのある技法ではあったと思うんですけれども、この技法に関してあのちょっとシェアしていただけますか。Je voulais que cette technique de filigrane soit utilisée pour des objets non pas décoratifs, mais des objets usuels, utilitaires. Et c'est une technique qui permet d'avoir des rayures de couleurs très fines prises dans le verre transparent. Et je voulais que ces rayures soient très douces, pas un gros contraste appuyé, mais comme de l'aquarelle ou de l'encre délavée. 実際とっても美しいですよね。なんか引き込まれそうです。Mais c'est une technique fascinante. Parce qu'on se demande comment des lignes de couleurs peuvent rester parallèles dans le verre. Et c'est une technique qui donne un résultat magique, mais c'est une technique qui est très structurée pour la fabrication.この、 あの作品の中にはブルーとそれからあのブラックがあるんですけれども、この大きなプレートの中にはブルーとブラックが交互に入っていて、そのなんかパリの空とフィンランドの空それぞれにあの青い日もあれば、なんかこうちょっとどんよりと曇った日もあるんですけれども、なんか2つが混じってるような感じがして、インガさんがフィンランドのブランドであるイッタラとコラボレーションなさった、あのその結果生まれた美しさだなと思って見ています。 Alors malheureusement je dois dire la vérité, je n'ai pas du tout pensé au ciel de Paris ou au ciel de Finlande. J'ai pensé à l'encre qu'on utilise à l'école en France et peut-être ailleurs. Nous avons deux encres principales, les encres pour écrire, qui sont l'encre bleue qu'on peut effacer et l'encre noire qui est plus l'encre des adultes. Et ce sont des encres caractéristiques et c'est celle-là que j'ai voulu retrouver dans ces deux encres, dans ces filigranes.全然違ってたんですね。Oui, mais j'ai lu un article finlandais dans un journal finlandais où le journaliste disait que j'avais très bien représenté les lacs finlandais. でもやっぱりブルーのインクと黒いインクは何を描くのかって考えてみたら、それはそこにはなんかとてつもない自由があると思うので、なんかそこからあのこの作品があの豊かな表現を獲得、どんなものにも空にも水にも湖にも見える、なんかそういう豊かな表現を獲得したのは多分インクがベースにあったからですね。あのこういった作品はどんな、どういうふうに使われていくことをイメージしてあの作られたんでしょうか。 Alors, de différentes manières. Quand on prend le grand plateauOn peut voir qu'il y a deux niveaux différents. D'un côté, ici, on peut mettre par exemple des noix et au centre quelque chose de différent comme des fruits. Ce sont vraiment deux rangements différents. Mais on peut aussi mettre ici des bagues et des boucles d'oreilles et là des colliers. Et ici, on peut aussi mettre des bonbons.Et on peut aller comme ça les présenter à ses invités. そう、持ちやすいですね、すごく。Oui, c'est pas très lourd. ああ、そうですね。実際、インガさんはこれ家に置くとしたら、どの色をどこに置いたりなさいますか？インガさんの居場所はお家もあるし、アトリエもあるし、セカンドハウスもあると思うんですけれども。Exactement comme je l'ai dit, je vais mettre des fruits, ou des noix.Ou alors des chocolats ou des guimauves. Je n'ai pas vraiment
je ne dessine jamais les objets pour moi. Je ne pense pas à moi quand je dessine quelque chose. 何をこう想定してデザインなさいますか? Je pense à une personne qui n'a pas de sexe, pas d'âge. C'est juste, je pense à une manière générale pour plein de personnes différentes qui pourraient utiliser cet objet. 正しくあのデザイナーの答えだと思います。Mais je pense que c'est, on peut l'observer dans plein d'objets. Il y a des poussettes pour enfants, en général, étaient conçues uniquement par des hommes, et c'était les femmes qui allaient les utiliser. Donc ça montre qu'on peut aussi se projeter, imaginer comment quelqu'un d'autre va utiliser un objet qui ne vous est pas destiné. そして、ちょっとここでイタラとのコラボレーションの話をちょっと聞いてみたいんですけれども、まずそのイタラの職人さんたちの姿っていうのは、私たちにとってもいつもこう非常にリスペクト を感じながら職人さんたちの動きをこうビデオとかで拝見しているんですけれども、イーナさん実際にお仕事なさって、イッタラ の工場の職人さんたちってどんな人たちで、どんなふうな感想を持たれましたか？ Au début j'avais très très peur parce que on m'avait dit que les grands artisans de chez Itala n'étaient pas très souriants et n'étaient pas forcément très agréables. それは 誰に言われたんですか？ Je ne veux citer personne.Mais de toute façon, c'était une erreur. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec deux artisans, des maîtres souffleurs, des master blowers, qui étaient très volontaires pour essayer des choses qu'ils n'avaient jamais faites et essayer de nouvelles techniques et aller le plus loin possible. この作品をご一緒に作るのに最も適した人ですよね。Ils sont très exceptionnels. Ce sont des artisans vraiment très très rares. Il y en a très peu. Et c'est pour ça que c'était une chance étonnante de pouvoir leur demander de faire des essais et d'autres essais et d'essayer d'aller encore plus loin. 何日間ぐらいその工場で職人さんたちと詰めて仕事をなさったんですか？Alors, on est resté juste une après-midi, pendant toute une après-midi, ils ont fait plein d'essais. Mais le problème, c'était qu'à chaque fois qu'ils terminaient un essai, on ne pouvait pas le voir parce que le verre doit refroidir très très lentement et il ne faut pas de choc thermique. Et à chaque fois qu'un essai était terminé, on ne pouvait pas le voir.Car il le mettait directement dans un four qui est sur un tapis roulant, un four dans lequel chaque essai devait passer 12 heures pour refroidir très très lentement. そうですか。じゃあなんかそこで長々発信とやり取りをしつつも、その結果が出るまでに少し時間を取って。そしてまたゆっくりとものづくりが進んでいくわけですね。イッタラの現場っていうのはそういう感じなんですね。Oui, mais ce qu'il y a de particulier, et c'est là que c'était difficile, c'est que quand on fait un essai, en général, l'essai suivant est basé sur les erreurs ou les réussites de l'essai précédent. Mais là, on ne pouvait pas voir l'essai, on ne pouvait voir aucun essai.Donc, à chaque fois, on devait faire un essai sans savoir si l'essai précédent était réussi ou raté. なんかかなり難しそうだなと思うんですけれども、イッタラを作ってきた巨匠たちもそうやって、カイ・フランクもタピオ・ビルからもそうやって仕事をしてきたんですもんね。Certainement, sauf que comme ils habitent en Finlande,Ils avaient peut-être plus souvent l'occasion de pouvoir aller dans l'atelier. 確かにそうですね。パリからだとちょっとフィンランドはちょっと遠いかもしれません。日本ほどではないですけれどもね。
Ça, c'est sûr. そしてこれだけのプロジェクトとなりますとどれぐらい時間を使われたんですか最初に行ったらから連絡があったのはいつですかそしてその時どんなふうにインガさんは思われたんですか Alors, j'étais très surprise qu'Itala me demande de travailler pour eux parce que je pensais que jamais ils ne me le demanderaient. まあ、Itala といえば本当に R1&I のアルトとかオイバトイカとかもうそうそうたる巨匠たちが名を連ねていて、まあ、その中には自然を映した作品もあるしまたロナンさん、ブルーレック兄弟の作品のようにすごい工業的で、まあ、新しい美しさを見せる作品もあるんですけど例えばインガさんはご自身がわっイッタラに参加することになったんだと思った時にじゃあ私は一体何をこの歴史的ブランドに付け加えることになるんだろう何が付け加えられるんだろうっていうふうにお考えになったんでしょう Je suis fascinée par les qualités optiques du verre qui permettent de déjà la qualité principale du verre reste toujours magique c'est la transparence Ça, c'est déjà la base. Et ensuite, d'utiliser cette transparence pour capter des reflets, les grossir ou les réduire. と同時にそこにインガさんはご自身のアイデアで新しいものを作り出すことを多分求められて依頼があったと思うんですけれども、じゃあ一体何を付け加え、自分は何を付け加えるというふうに思われましたか？Je ne sais pas en quoi c'était nouveau ou pas, mais je voulais donc travailler la technique du filigrane, qui est cette technique où des rayures de verre coloré sont prises dans du verre transparent. Et je voulais aussi travailler les qualités optiques du verre, chose que j'ai utilisée pour la conception des cadres photos. その素晴らしい成果を今なんか私の目の前にこう置かれているんですけれども逆にイッタラ側からのオファーこういったものを作ってほしいとかそういうものはあるもんなんですかそれともまずは工場に来てくださいみたいなところから始まるんですかどうやってイッタラとの仕事って始まったんでしょうAlors oui, Itala a demandé à ce qu'on se rencontre et j'ai apporté certains éléments de verre que j'avais acheté au marché aux puces il y a très longtemps quand j'étais étudiante, des éléments qui m'ont fascinée par leur qualité optique et aussi des petites choses que j'avais faites faire avec d'autres entreprises mais qui n'avaient pas abouti.C'est ensuite, j'ai proposé donc d'utiliser la technique de filigrane ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas utilisé chez Itala. Et je suis venue à un rendez-vous où j'avais fait plein de croquis, de propositions, d'objets différents, avec des techniques différentes. Et aussi, c'est moi qui ai suggéré...que Itala de dessiner des cadres pour Itala car j'avais vu qu'ils n'en avaient pas dans leur collection et comme dans ce dossier de croquis j'ai aussi mis beaucoup de motifs de patterns que j'avais dessiné à la mainIls m'ont aussi proposé d'utiliser ces motifs pour faire du tissu, c'est-à-dire des housses de couette et des têtes d'oreiller et de coussin. 面白いですね。じゃあ本当にインガさんがいろいろと考えてらっしゃったことがこういった素晴らしいホームコレクションに実った。私たちは今発売になったばっかりなので、これからそれを楽しむわけですけれども、なんかそういったお話を聞くとなんかこう感慨深くこのクッションのこの模様もインガさんのお考えになったアイデアの中にあるんだなってこう長い美しさの歴史を紐解くような感じがしています。Merci beaucoup.
イガさんは、イタラでは数少ない女性デザイナーですよね。で、アイノ・アールトさんという、イタラにおける女性デザイナーとしては先輩がいますけれども、アイノのこととかは、どういうふうに感じてらっしゃいますか？Ah bah forcément, je la trouve formidable parce qu'elle a quand même dessiné des choses il y a très longtemps et qui sont toujours très contemporaines, très pratiques aussi et très industrielles. Et ça, c'est ça être un bon designer. アイノさんも、パートナーであるアルバートさんと、偶然というか、2人ともイッタラでデザインをしていて、インガさんもパートナーの、ロナさん お二人とも、別々にですけれども、イッタラをデザインしてらっしゃるんですが、その夫婦でデザイナーでいることだけでも難しいと思うんですけど、同じブランドの仕事をするのって、どんな感じですか？Non, parce que déjà, on ne travaille pas ensemble. Ensuite, je pense que c'est toujours important de pouvoir parler à quelqu'un de son travail et quelqu'un qui a des idées, qui s'y connaissent, quelqu'un qui s'y connaisse. C'est difficile. いや、すごい羨ましい関係です。Bah, je pense que quand on est designer, on a beaucoup de problèmes techniques. Et qui font que les objets ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas être produits. Et on a l'impression que de passer d'une épaisseur de 2 mm à 3 mm, que c'est un drame, par exemple. Et ce sont des choses dont on ne peut pas parler à des gens qui ne font pas de design, parce qu'ils vont penser que c'est ridicule, alors que c'est un vrai problème. そうですね。パリでも、それからストックホルムでもお二人と一緒にお目にかかったことがありましたけれども、そうやっていいコミュニケーションを重ねていらっしゃるなと思いました。そして次の質問です。インガさん、北欧のブランドを数多くお仕事されてますけれども、北欧のブランドとのコラボレーションって、フランスでのお仕事とまた違うと思うんですけれども、いかがですか、そのあたりは。Il y a une énorme différence. Les entreprises scandinaves ont une vraie culture du design et croient véritablement à l'importance pour ces entreprises de collaborer avec des designers. Alors qu'en France, il y a très peu d'entreprises avec lesquelles collaborer, comme on peut voir que tous les designers français commencent toujours en Italie et travaillent beaucoup plus à l'étranger qu'avec des entreprises françaises. La différence, c'est que les entreprises françaises confondent beaucoup la collaboration avec un designer avec juste un événement de communication et ne voient pas forcément la nécessité, l'avantage de dessiner véritablement, faire dessiner des designers français pour des opérations industrielles. Et non pas juste pour des opérations de communication. 全然話は変わるんですけれども、インガさんの日本に対するイメージを教えていただけますか？D'abord le Japon, la première fois où j'y suis allée, c'était il y a 30 ans. Et c'était la première fois que j'avais la sensation d'être dans un endroit inconnu. Parce que j'avais déjà été à New York, que je ne connaissais pas, mais que j'avais déjà vu au cinéma. Donc la surprise n'était pas la même. Ensuite, c'est pour des Européens, c'est un pays où il est très agréable d'aller. Car on est très bien considéré, on est vraiment bienvenu. Et pour des Français, on sait que notre culture est très appréciée au Japon.
いや、ありがとうございます。本当はね、ぜひ来日していただいて、日本で会ってこの話をしたかったんですけれども、なんか来日の予定とかありますか、今後。Malheureusement, non, pas pour l'instant. じゃあ、私がパリに行く方が早く会えるかもしれませんね。Certainement. ぜひ私の前にあるこの美しいインガセンペさんの器、日本人がまたこう日本の感覚でここに何を置いていくのか楽しみだなというふうに思ってます。今度いらしたらなんかそれを今度は見に来てくださいね、日本に。あ、j'ai très hâte de voir。じゃあ本当にお名残惜しいんですけれども、なんか時間が来てしまいましたので、またお目にかかりたいと思います。今日はありがとうございました。 Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、本日はご視聴いただき本当にありがとうございました。エルデコデザインウォークは今日から11月3日まで開催されます。タブロイド紙を参加ショップで手に入れてイベントを回ってみてくださいね。で、このタブロイド紙も載っているんですけれども、インガさんの新作のフィリグラーニは行ったら表参道店で実物を見ることができます。皆さんぜひ足を運んでみてください。それでは良い週末をお過ごしください。